En tant que président de la Fédération Européenne des Solidarités, au nom de l'Union Européenne, en partenariat avec le Conseil départemental des Yvelines, je suis très heureux et très honoré de vous remettre ce label européen Ville Conviviale, Ville Solidaire. Pour rejoindre ce que disait Monsieur le maire, seul, institutionnel, on ne peut pas faire face. Par contre, ensemble, ouais, associations, habitants, voisins, institutions, on a tous un rôle à jouer et c'est important de pouvoir développer et poursuivre ces actions de solidarité. Donc je tenais au nom de Pierre Bédier, donc le président du conseil départemental, de vous remercier tous pour votre présence ce soir et de surtout saluer votre engagement et votre implication qui est quotidienne sur la vie des nouveaux. Voilà. Écoutez, nous nous sommes tout simplement sur le terrain, ce que vous avez mis tout à l'heure en parole et en musique. C'est-à-dire que sans le dire à personne, entre nous, on a vraiment fait des solidarités de voisinage qui ont permis à des personnes âgées, y compris en fauteuil roulant, de rester à domicile. Et donc, effectivement, il y en a qui portent le pain, qui promènent le chien, la troisième, les médicaments. C'est les voisins, c'est tout simplement une famille du quartier. Ce n'est pas à moi que vous remettez, c'est à vous tous. Parce que si nous l'avons, c'est que c'est vous qui faites le fait que nous soyons une ville conviviale et une ville solidaire. Et je trouve ce qui est positif, c'est qu'à certains moments, bien évidemment, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais une chose est bien, c'est qu'on est capable de tous s'unir pour véritablement démontrer que les murs, démontrer qu'on est capable d'être solidaire, social et surtout humain. Et ceci, bien évidemment, on va le mettre dans le hall de la mairie, mais c'est votre récompense à tous, c'est pas ma récompense.